بسم الله Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. Bonne année à vous, pleine de bonheur et de prospérité, de santé, que l'année 2014 soit celle de la joie et de la réussite pour vous toutes et pour vous tous. Le thème d'aujourd'hui est la création dans la tradition islamique, la création du monde et de l'homme. Et pour en parler, j'ai plaisir à vous présenter Abdelhak Kiderdouni. Bonjour et merci de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes astrophysicien, vous dirigez l'Observatoire de Lyon et vous dirigez aussi l'Institut des hautes études islamiques. À vos côtés, le professeur Aywaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes théologien, professeur de théologie à l'Institut Al-Razali qui est rattaché à la Grande Mosquée de Paris. Est-ce que le verset que nous venons d'entendre là illustre en partie en tout cas cette création, cette cosmogonie, cosmologie dans le Coran, faut-il les prendre au pied de la lettre, les mots, ou est-ce qu'il y a une symbolique derrière? Alors, il est très important de comprendre que le récit de la création dans la tradition islamique est assez voisin, finalement, de celui que nous avons dans la tradition juive, dans la tradition chrétienne. Simplement, dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne, nous avons ce récit au début de la Torah pour les juifs, dans le Bereshit, hein, et pour les chrétiens, le même texte, mais traduit, et la Genèse. Et dans le Coran, en revanche, il faut aller chercher dans le texte coranique les versets relatifs à la création dans l'ensemble des sourates, ce qui demande un effort de relecture et de contextualisation de ces versets. Alors là, nous avons entendu l'un de ces nombreux versets qui traitent de la création par le réel, par la vérité, hein, c'est l'aspect intellectuel de cette création. Dieu met son intelligence dans le monde pour le créer à partir du néant et l'ordonner. Et nous avons entendu aussi un autre aspect très important de la doctrine de la création, le fait que les choses ont un sens, ont un ordre. Le soleil et la lune voyagent vers un terme fixé, ce qui évidemment pourrait évoquer pour un scientifique le fait que l'ordre que nous observons dans l'univers est un ordre mathématique. Alors la question évidemment est de comprendre l'ensemble de ces versets, on va revenir là-dessus j'imagine dans le cours de l'émission, et de comprendre ce que Dieu veut dire dans le Coran et évidemment le sens symbolique que ces versets recèlent. Oui, ces versets au pluriel, pouvez nous en citer Mohamed Aywaz qui il y a dans la création des cieux et de la terre l'alternance du jour et de la nuit des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Inna fi khalqi as-samawati wal-ard wa ikhtilafi al-layli wan-nahar la-ayatin li-uli al-albab. Mais tout dépend aussi de ce que l'on entend par le mot création. Si on le prend en tant que substantif, c'est-à-dire l'acte de créer, il y a cette classique distinction entre haq, vrai, et khalq. Donc tout ce qui est en dehors de Dieu est considéré comme étant une créature. Et il y a aussi une autre classification où généralement on entend par al-khalq, donc la création, c'est l'univers ou c'est l'ordre cosmique par rapport à l'ordre humain. Parce qu'il y a deux ordres évoqués dans le Coran, dans le sens global, général de la création. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et dans leurs âmes afin qu'ils s'aperçoivent qu'il est le vrai. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Abdelhak Kiderdouni, quand vous nous avez dit qu'il y a une analogie avec le récit de la Genèse, par exemple, du point de vue purement descriptif,
Est-ce qu'on retrouve le même scénario, si j'ose dire? Qu'en est-il de cette création? Le Coran est un rappel. Donc il vient rappeler les informations qui étaient données au peuple antérieur, et en particulier au peuple juif et au peuple chrétien. On retrouve dans le Coran la création en six jours symboliques. Le septième jour n'est pas tellement celui du repos de Dieu, parce que Dieu ne s'est pas fatigué dans la création, c'est plutôt celui de l'assise sur le trône, c'est-à-dire de l'établissement de l'ordre final de la création. Donc il y a quelque chose d'assez voisin avec la Genèse. On retrouve aussi l'idée d'une création à partir de rien, même si la tradition islamique a hésité un petit peu, parce que certains versets pourraient laisser penser que le monde préexistait, qu'il y avait un désordre, un chaos avant la création des cieux et de la terre, une fumée, hein. C'est le terme qui revient parfois, Duhan. La grande tradition théologique de l'islam a bien compris que la création à partir de rien était ce qui caractérisait le rapport entre le haq et le khalq, hein, le réel. Dieu seul est le réel, et le khalq a sa réalité par emprunt, en quelque sorte. Si Dieu cessait de maintenir la création dans l'ordre de l'existence, la création retomberait immédiatement dans le néant. Et il y a là un troisième aspect qui est plus spécifique à l'islam, me semble-t-il, qu'on retrouve moins dans le judaïsme et dans le christianisme, peut-être dans certaines traditions plus spirituelles, c'est l'idée d'un renouvellement de la création, tajdid al-haq, le fait que Dieu est toujours présent, il est toujours dans cet acte créateur dont parlait le professeur Aywaz, et donc voilà, c'est le renouvellement constant de cette création. Dieu est proche de nous, et Dieu est donc constamment en état de création, il est constamment al-khaliq, le créateur. Bien, à ce stade de l'émission, je vous convie, ainsi que nos chers amis téléspectateurs, à suivre ce sujet qui résume d'ailleurs ce que vous dites à propos d'une création ex nihilo. Ce sujet signé Marianic Le Guern, regardez. Le récit de la création du monde est l'un des thèmes principaux du Coran. بسم الله الرحمن الرحيم. Le Coran nous invite à voir dans l'harmonie du cosmos autant de signes pour le croyant, une lumière qui le guide. Dans la sourate 50, il est dit que Dieu a créé le ciel et la terre en six jours, sans éprouver la moindre lassitude. Le récit du Coran est dans la continuité du récit biblique de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ainsi, dans le Coran, il est dit au chapitre 65, Dieu a créé sept cieux et autant de terres. L'eau est aussi essentielle à la création que la lumière. Par l'eau, nous faisons germer toutes les plantes, dit le Coran. Et le paradis y est décrit comme un jardin merveilleux. Dans la sourate 16, il est dit, Dieu a implanté des montagnes dans la terre pour l'empêcher de vaciller sous nos pieds, de même qu'il a créé des rivières et des sentiers pour nous guider. La clarté du matin, l'aube naissante, l'aurore, l'astre nocturne, les constellations, le thème de l'alternance du jour et de la nuit revient souvent dans le Coran, donnant un élan poétique à de nombreux chapitres. Et la sourate du soleil commence ainsi, par le soleil et son premier éclat, par la lune quand elle lui succède, par le jour quand il éclaire le monde. Mohamed Aywaz, à propos de ce que nous venons juste de suivre là dans le sujet, la notion de lumière, la création par la lumière ou la lumière divine se reflète dans la création du monde. Tout à fait. La création en tant que telle se présente également sous un autre rapport comme étant le théâtre dans lequel se manifestent les noms et les attributs divins. Et parmi ces noms et ces attributs, il y a la lumière. D'ailleurs, il y a le célèbre verset, le fameux verset, Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Allahu nuru samawati wal ard. Et il y a une métaphore. Lumière sur lumière. Lumière sur lumière. Donc il y a, si vous voulez, une expression métaphorique dans le Coran pour exprimer comment se fait cette manifestation dans la création. Et pour compléter ce qui vient d'être dit, par rapport au renouvellement de la création, nous avons également dans le Coran une allusion par deux formes, je dirais, étymologiques différentes, parce qu'il y a le créateur, al-Khaliq, et il y a aussi al-Khallaq. Et cette deuxième forme, ce deuxième modèle, renvoie à ce qui se fait d'une façon perpétuelle. Est-ce que vous pouvez simplement, Mohamed Aywaz, oui, préciser la nuance entre
Al-Khaliq et Al-Khalaq, le créateur. Voilà, celui donc qui crée. On peut dire que Al-Khaliq, c'est le créateur. Et Al-Khalaq, sous une autre forme, c'est celui qui ne cesse de créer. Donc il y a une création perpétuelle. Et d'ailleurs, même dans un verset, comme nous avons procédé à la création, nous y reprocéderons de nouveau. Kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu. Bon, ça s'entend bien sûr sur le début de la création du monde. Et ensuite, le monde de l'au-delà, donc il y aura une deuxième création, mais en tout cas, cette création, elle est perpétuelle. Je pense que ça renvoie directement à cette notion de la création perpétuelle dans le Coran. Abdelhamid Erdouni, la création, nous la trouvons belle. Elle est belle, elle est féerique. Il y a aussi la beauté plastique rendue par la langue arabe elle-même qui en rend compte. Dieu parle dans la création, et la création montre les signes de Dieu, les ayat, et la création est d'ailleurs tout entière issue du verbe de Dieu, de la parole de Dieu, à l'amr, à l'ordre, kun fayakun, hein, quand Dieu veut une chose, il lui dit soit, et la chose est. Et il y a, comme vous dites, une sorte de résonance ou d'analogie avec la création du livre, qui est la révélation du livre, en fait, qui elle aussi est fait par le verbe. C'est l'ordre de Dieu, Iqra, hein, lit l'ordre au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de lire, qui déclenche la révélation. Et le livre lui-même est émaillé des signes de Dieu. Dieu nous parle par le livre de la révélation, et il nous parle aussi par le livre de la création. Et voilà que ces deux livres se renvoient l'un à l'autre. La création, la lecture des signes de Dieu dans la création doit nous amener à la lecture du Coran qui donne son sens à la création. Et inversement, le Coran nous incite à aller regarder les signes de Dieu dans la création pour chanter sa louange et sa gloire. S'il devait avoir une quelconque chronologie, Dieu a commencé par la création du monde et de l'univers et par la suite l'être vivant, l'homme, ou comment ça s'est passé? Alors la question du comment est une question délicate parce que le Coran nous enseigne les choses de façon très synthétique, souvent sur le mode du rappel, hein, puisque ce récit existait auparavant, et il s'agit évidemment de comprendre ce que Dieu veut nous dire quand il nous révèle quelque chose. S'agit-il vraiment d'une chronologie à prendre au pied de la lettre ou bien s'agit-il d'une chronologie symbolique? Déjà, les mufassirun, les commentateurs du Coran, très tôt dans l'histoire de l'islam, se sont posé la question de savoir si les six jours en question étaient six jours littéraux ou six jours métaphoriques ou symboliques. Et ils ont plutôt évolué du côté des jours métaphoriques, d'autant plus qu'il y a d'autres passages du Coran qui évoquent le fait, par exemple, qu'un jour de Dieu a la durée de 1000 ans pour l'être humain. Donc on retrouve par exemple dans Tabari, dans les chroniques de Tabari, qui commence, un historien très connu du 9e siècle, qui commence dès la création du monde, l'histoire commence à la création du monde, cette affirmation que Dieu a pris beaucoup de temps pour créer le monde, parce qu'il a voulu montrer la perfection du monde à travers le temps qu'il a mis pour le créer. Et il y a évidemment une problématique actuelle du rapport entre le récit révélé et les données de la science contemporaine qui nous incite à penser que ce récit est bien symbolique et que, et d'un autre côté, la science nous montre que les échelles de temps en question dans l'univers sont extrêmement longues. Et voilà, ces échelles de temps extrêmement longues, de même que les très grandes dimensions de l'univers, sont aussi des signes, comme disait le professeur Aywaz, qui doivent nous inciter à l'émerveillement en face de la création. Oui, et donc nous avons compris qu'il y a là une approche plutôt métaphorique et symbolique de ces passages. Après la création du monde, je vous convie à suivre ce sujet, toujours signé Marie-Annick Le Guern, intitulé cette fois-ci « La création des êtres humains et l'être vivant en tout cas ». Ce sont les créatures dans le Coran. Regardez. Dans l'inventaire des êtres vivants, le Coran place l'humanité au centre de la création et plusieurs chapitres sont consacrés à ce thème. L'humanité descend d'Adam et Ève, le couple originel. Comme la chamelle, miracle du désert, les animaux ont également une place importante dans le livre sacré. Plusieurs chapitres y font référence, sourate de l'araignée, des abeilles, des fourmis. Ainsi la sourate 100 célèbre les chevaux, haletants dont les sabots font jaillir les étincelles et soulèvent des nuages de poussière.
les oiseaux par nuées font le lien entre la terre et le ciel. Mohamed Aïwaz, l'homme occupe une place prépondérante, centrale dans la création. Il occupe une place prépondérante dans la mesure où il est la finalité même de la création. Ceci est symbolisé par la présence d'une sourate qui porte le nom de sourate An-Nas à la fin du texte coranique, qui commence par Al-Fatiha. Que sont les gens ou... Les gens, en tout cas c'est An-Nas, c'est l'espèce humaine. Donc il est donc le dernier dans l'ordre de la création par rapport aux autres espèces, puisque tout a été assujetti pour lui, en tant que, je dirais, créature par excellence créée à l'image de Dieu. Dieu a créé Adam à son image, « Inna Allah khalaqa Adam ala surate ». Cette particularité, c'est quelque chose qui est relié directement à l'homme et à aucune espèce de la création. Dans le sens où, on peut le comprendre également à travers une autre tradition sainte, qui renvoie à cette spécificité et cette excellence de la création de l'homme, « Ni mes cieux, ni ma terre peuvent me contenir, mais seul le cœur de mon serviteur croyant ». Et c'est quelque chose pratiquement qui est commun à toutes les traditions, puisque ce texte même existe dans pratiquement toutes les traditions. Abdelhak Diner Denis, cette relation de l'homme à la création est-elle centrale ou périphérique, avec cette analogie que nous avons aussi dans les autres traditions religieuses monothéistes? Oui, c'est ce que vous dites est important, parce que la position centrale de l'homme dans l'univers n'est pas une position au sommet de la création. Ce n'est pas quelque chose qui est dans la tradition islamique. Et l'assujettissement à la création se fait dans la perspective de la connaissance et de l'adoration de Dieu, et non pas de la maîtrise de la création. Alors, l'homme vient dans la création comme le vice-régent ou le représentant de Dieu sur la terre. On pourrait dire le jardinier dans le jardin. Il a le droit d'user des fruits du jardin, mais pas d'en abuser. Il ne peut pas arracher les arbres. Il n'est pas le propriétaire de la création. Il en est simplement le modeste dépositaire. Est-ce que le récit de la création de l'homme au niveau descriptif, nous le retrouvons comme aussi dans le récit biblique, ou est-ce qu'il y a une spécificité coranique? La spécificité de la création de l'homme, c'est que la nature de l'homme est duelle. L'homme est créé à partir de l'argile, à partir du fin limon. Il y a plusieurs récits, plusieurs versets qui traitent de cette question. Et en un certain sens, il partage ce limon, cette argile, sa matière, on dirait même peut-être maintenant sa matière biologique, avec le reste de la création. Mais il a une nature particulière parce que Dieu souffle en lui de son esprit. Et c'est cet esprit qui est notre nature humaine, spirituelle. C'est cet esprit qui fait de nous ces vicaires ou ces représentants de Dieu sur terre, appelés à la connaissance de Dieu sous tous ses noms, sous tous ses aspects, comme le rappelait le professeur Aïwaz. Il y a donc cette dualité dans l'homme. Il est capable du meilleur comme du pire. Les anges, d'ailleurs, se récrient quand Dieu leur annonce son projet de création de l'homme. Et les anges ne savent pas quel est le plan de Dieu pour la création de l'homme. L'homme est relativement libre, donc il peut faire le mal et il doit faire le bien. Et c'est parce qu'il est relativement libre que le mal existe, sinon il ne serait pas libre. Il serait comme les anges qui ne peuvent faire que le bien. Donc il y a cette dualité dans l'homme, et c'est très important de comprendre que ce qui nous rend humains, c'est donc, du point de vue de la tradition islamique, cet esprit de Dieu qui nous anime et qui nous fait à son image, une image spirituelle, une image symbolique, et qui représente notre véritable vocation. Mohamed Aïwaz, connaît-il effectivement du couple originel? Quel est le récit effectivement de cette rencontre entre Adam et Ève? Comment est-elle née, elle? Et en plus, Adam, dans la tradition islamique, est le premier prophète. Il faut distinguer entre prophète et messager. Donc on dit premier prophète dans le sens où il y a cette volonté dans laquelle, ou à travers laquelle Dieu a voulu se faire connaître. Donc, comme le rapporte la tradition sainte, j'étais un trésor caché, j'ai voulu être connu, j'ai créé des créatures et je me suis fait connaître à elles, et c'est ainsi qu'elles m'ont connu. Donc il y a cette manifestation à travers donc la création de ce premier homme. Est-ce que c'est le premier homme de toute l'humanité, ou est-ce que à travers des cycles il y a un Adam pour chaque cycle? Ça, c'est un autre débat. À partir de la création de ce premier homme, donc qui est prophète, il y a eu la création de Ève, de Hawa, et donc elle est venue ontologiquement après lui. Donc il y a ce couple originel qui est évoqué dans le Coran,
Et cette création est le fruit et la conséquence ou le résultat de ce soi existentiateur, kun. Ce kun également... Soi dont vous parlez, c'est le verbe, l'impératif du verbe être, oui. Soi. C'est pour cette raison que les exégètes et les traditionnistes disent que ce kun existentiateur, c'est lui qui est évoqué dans la tradition prophétique comme étant al-kalimatu at-tammatu, la parole parfaite. Abdelhakim Erdouni, un mot peut-être sur le... Oui. La geste d'Adam et Ève, comment est-elle née, Ève? Est-ce qu'il y a une analogie là aussi avec le récit biblique ou quelle est encore une fois la spécificité coranique de l'histoire des hommes? Ce n'est pas très clair dans le Coran. Il y a des traditions prophétiques qui sont plus explicites sur la dérivation d'Ève par rapport à Adam. Mais dans le récit coranique, il y a cette idée qu'il y a Adam et son épouse ou Adam et son couple, parfois. Oui. C'est une autre traduction. Et que Dieu a créé l'homme d'une âme unique et il a fait ensuite le mâle et le femelle. Donc il y a une certaine similitude ou symétrie entre le rôle de l'homme et de la femme, une complémentarité en tout cas. Et voilà donc Adam et Ève installés dans le paradis par Dieu qui leur permet de jouir des fruits du paradis, mais il leur interdit de s'approcher d'un certain arbre. Et effectivement, le Shaitan fait son travail et incite Adam et Ève à s'approcher de cet arbre et donc à désobéir à Dieu. Et là, vous le dites au duel parce que ce n'est pas Ève qui est tentatrice à son tour. Hein. Donc, Alors, après la descente du paradis, il n'y a pas de notion de péché originel, donc il y a une responsabilité de l'homme dans son aventure terrestre. Ça commence déjà par le fait d'évoluer dans une nature qu'il y a lieu de respecter, et de vivre à l'aise et harmonieusement dans cette nature. Oui, il n'y a pas de péché originel. La chute est le résultat de la désobéissance, mais Adam et Ève viennent se repentir, donc ils sont non seulement les premiers hommes et femmes, mais les premiers pécheurs repentants. Dieu pardonne à Adam et Ève, fait d'Adam un prophète, le premier prophète de l'humanité, et voici que s'ouvre un nouveau cycle de l'histoire humaine, avec l'accession dans la nature d'après la chute, et la responsabilité de l'homme sur cette terre de suivre la loi religieuse et de s'installer dans des sociétés harmonieusement organisées qui permettent de respecter la justice et la vérité. Et effectivement, voilà Adam qui se trouve dans la nature, il n'est pas maudit, la nature n'est pas mauvaise, au contraire, elle va être pour lui l'un des moyens de retourner vers Dieu. Au même titre que la création, parce que cette nature va lui parler de Dieu, elle va être tout entière signe, elle va être, comme on le dit parfois, épiphanie, révélation du Verbe ou de la lumière, ou théophanie, révélation de Dieu. Et voilà que le comportement dans la nature doit être juste également pour que cette nature soit respectée à sa juste valeur. Mohamed Aïwaz, dans la nature, dans l'environnement dans lequel évolue l'homme, il y a aussi le règne animal, d'autres êtres vivants, des versets coraniques en parlent, un ensemble de sourates portent des noms d'animaux, donc les animaux ont leur importance dans le Coran. Tout à fait, ils sont évoqués comme étant d'abord des espèces de la création, quoique la finalité et l'excellence est attribuée à l'homme, mais il y a aussi une autre référence coranique qui présente pratiquement toutes les espèces de la création comme étant des communautés comme vous, c'est-à-dire comme les humains. Umamun amthalukum, qu'il s'agisse de l'espèce animale ou de toutes les autres espèces. Il y a effectivement une allusion à toutes les espèces de la création, y compris les animaux, et lorsqu'il y a quelque chose qui mérite une méditation particulière, donc on trouve par exemple comme surat al-Nahl, la surat des abeilles, il y a des merveilles qui méritent d'être un support de méditation. Et c'est dans ce sens que le Coran évoque pratiquement les animaux, pas pour, quoique les exégètes, des fois, ils rentrent dans des détails, est-ce qu'il s'agit de tel animal ou de tel animal, est-ce qu'il s'agit de telle couleur ou de telle couleur, mais ces expressions dans le Coran sont plutôt des interpellations à méditer sur ces signes de la création, qui comprennent entre autres l'espèce animale. Alors si nous devions nous attarder un peu sur des considérations écologiques, dans tout ce que vous dites, il y a un respect profond de l'écologie et de la nature.
Oui, les anges avaient averti Dieu, vas-tu créer quelqu'un qui va semer le sang et la corruption sur la terre. Et malheureusement, Adam a toujours été, et Adam et ses successeurs que nous sommes, ont toujours été un peu en hésitation entre l'accomplissement du bien et malheureusement la perpétration du mal. Et donc, voici une dualité de l'homme qui est fondamental et qu'on voit malheureusement se réaliser actuellement à travers tous les problèmes environnementaux que nous connaissons, cette pollution, cet épuisement des ressources naturelles, cet épuisement de la biodiversité, donc la disparition des espèces animales qui pose problème à toute l'humanité en général et particulièrement aux croyants qui y voient un signe de mauvais comportement de l'homme dans la nature. Alors, comme nous arrivons au terme de l'émission, je sais que le sujet est central, crucial et qui nécessite plus de développement, mais je vous pose la question sur le créationnisme, le débat actuel. Alors, le créationnisme, c'est une idéologie qui vient des États-Unis, dans laquelle un certain nombre de courants un peu radicaux, mettons protestants évangéliques, font une lecture complètement littérale du texte biblique. Et professe une création en 6 jours de 24 heures, et une création séparée de tous les animaux, de l'être humain, etc. Alors évidemment, on ne peut pas comprendre le monde, les données de la science et même la description du monde dans son ensemble à partir de ces éléments. Et il se trouve que ces courants créationnistes commencent à influencer certaines parties du monde musulman pour des raisons très variées. Et ça pose problème parce que la grande tradition de l'islam, les Mufassiroun, mais aussi bien évidemment les Mutakallimoun, les théologiens, les commentateurs du Coran, les théologiens, les philosophes, etc., ont toujours été dans une interprétation subtile du texte coranique pour réfléchir sur sa signification par rapport à la science de leur époque, etc. Maintenant, les données de la science nous montrent que l'univers est là depuis très longtemps, on parle de 13 ou 14 milliards d'années, qu'il y avait peut-être quelque chose avant. Donc on est plutôt dans l'idée de renforcer ce que disait le professeur Aiwa, c'est-à-dire le Dieu est tout le temps créateur, Dieu est tout le temps dans l'acte créateur, il y a toujours eu quelque chose, toujours eu une création probablement parce que Dieu a toujours été dans l'acte créateur. Et le créationnisme fait beaucoup de mal parce que il bloque la lecture des textes sacrés dans une certaine interprétation littéraliste, parce que le littéralisme est encore une interprétation, et il empêche évidemment les musulmans de s'ouvrir à la description scientifique du monde qui est importante pour comprendre le monde tel qu'il est actuellement. Merci, merci Abdelhak Derdouni, merci professeur Aiwaz d'être venu ce matin nous éclairer par vos propos. Alors avant de vous quitter, je vous présente les livres qui nous ont servi comme base de discussion ce matin. D'abord, ce livre sous votre direction, Abdelhak Derdouni, Science et religion en islam, des musulmans parlent de la science contemporaine, la réfutation de l'astrologie. C'est une édition et traduction du texte arabe. Les notes sont de Yahya Michaud, c'est aux éditions Al-Buraq. Tout comme votre ouvrage Abdelhak Derdouni. Et finalement, cette exégèse du Coran d'Ibn Kathir, un classique. Et là, la traduction est de Harkat Abdou et c'est aux éditions Dar al-Kutub, la maison des livres. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis aussi fidèlement. Bon dimanche et bonne semaine et à très bientôt sur France 2. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa as'adina wa sanadina wa nabina Muhammad.